Moi champion, Kylian Mbappé, Léo Vip, Kato Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé, on a bien compris ça. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut Kylian Mbappé rouge, comme il dit, le mec, il dit. On veut... Comment ça va se passer là? On va ouvrir tout simplement nos récompenses. Ça va pas être très long comme live. Ça va être le live des récompenses, comme chaque. Comment dire? Comme chaque jeudi. Récompense avec rediffusion sur YouTube, comme ça, bah, pour ceux qui auraient raté. Sauf que là, il y a une nouveauté. C'est juste que là, comme il y a Kylian Mbappé rouge, si jamais on tape Mbappé rouge, là vous êtes 211 viewers, je pense que vous serez un petit peu plus après. Si on pack Kylian Mbappé rouge, je pense que je vais commencer direct par les rouges. Si on pack Mbappé rouge, il y aura 50 balles PSN, Xbox, PlayStation pour un d'entre vous. On fera un petit tirage au sort dans le chat vers à la fin. Et il y aura 50 balles pour un des viewers. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. C'est plutôt que de balancer les systèmes de RT comme ils font tout le monde. Vas-y, si jamais on a Mbappé, on balance 50 balles, ça y est. Et ça sort de ma poche, hein. C'est pas un sponsor ou autre, ça sort de ma poche. Je n'ai pas d'argent. Sachez que je n'ai pas d'argent. YouTube, ça paye pas. Twitch, ça paye pas. Allez bosser, les gars. Arrêtez de vouloir percer. Ça paye pas. On a Mbappé, on l'aura pas, tu vois. On prend pas énormément de risques. Mais bon, si jamais on l'a, on fera un petit truc, tu vois. On fera un petit truc... Là, je suis en train d'acheter des viewers, c'est juste incroyable ce qui se passe dans ce live. C'est comme ça qu'on achète des viewers Twitch. Merci. On va commencer par Future Champion, on va commencer par les rouges directs, comme ça, ça... On sait si on va être heureux ou pas. Ils sont sortis hier. Ah, c'était hier, les AirPods. Ah, moi, je me vois pas les acheter. J'ai les AirPods... J'ai les tout premiers, ils marchent très bien. Ça y est. En plus, j'aime pas les délais intra-auriculaires, je déteste ça. Bon. On commence directement par les joueurs rouges, on a fait hors 2, on a arrêté à 17-9, on n'a pas terminé. Donc bon, là, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va tout simplement ouvrir nos deux joueurs rouges, après on ouvrira les packs. Et on espère que la réussite sera là, on espère de la chance, on espère Kylian Mbappé. Le premier joueur rouge. Bon. Ça commence doucement. Tu sais, j'ai une pression, là, quand je joue le rouge, j'ai une petite pression. On m'a dit dans la Chilwell, bah quelqu'un a raison. Et Zuclé qui se sub, merci frérot pour le sub. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme lui, hein. Vous pouvez utiliser vos Twitch Prime, c'est gratuit. Merci frérot, ça fait plaisir. Du coup, je sais même pas lequel prendre. En vrai, je sais même pas lequel prendre, c'est juste incroyable. En vrai, je pense que je vais prendre plus Yajichi. Après, Yajichi, on va l'avoir forcément dans le deuxième. Mais je pense que je vais plus prendre lui, on va dire. Nick Saras, de toute façon, il n'y en a aucun des deux qui sera jouable et ça partira dans un SBC. On s'en fout. Et donc là, c'est le deuxième. Vu le départ, je peux vous dire que là, on a un Yajichi numéro 2 direct. Et ça met fin à nos espoirs pour Kylian Mbappé tout de suite. Putain. J'ai vu les sites 86, je me suis dit... Ah, et bah non, pas du tout. Bon, bah, on va prendre Bellarabi. On va prendre Bellarabi quand même, ça reste... même pas, il est dégueulasse. Il a 74 de finition. Il est site, c'est vrai qu'il a une belle carte, mais vas-y, il est pas jouable dans FIFA en fait. Il est pas mal, le problème, c'est ça. Mais je vais prendre Bellarabi par rapport justement à l'aspect super sub, comme dit Trejo. Mais ouais, voilà. Et qui est Bellarabi, hein. Je vais prendre Bellarabi, de toute façon. Pour les SBC. Mais non, mais de toute façon, après, le truc Barcelone, c'est que moi, dès que j'ai suffisamment de joueurs rouges, je vais toutes les foutre dans le SBC 86+. Donc en vrai, on s'en fiche un peu des statistiques des joueurs rouges, tu vois. Alors après, peut-être ils vont me le donner en vendable, hein, Mbappé, et ça sera encore plus intéressant. Même si je n'y crois pas. Parce que les animations, c'est pas ici. Voilà, tu vois, ça commence, pas d'animation, je te l'ai dit tout de suite. Il existe pour le test en SBC, hein. En vrai, Pulisic pas mal en sub, ouais. Pff, moi, ça me donne quoi, Ito. Les gens Ligue des Champions, ils continuent de tomber, je comprends pas pourquoi, en fait. Genre, normalement, ça devrait tomber... bah, les soirs de Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions, là, actuellement, les gars. T'as eu qui, je viens d'arriver. C'est, je préfère ne pas en parler. Ah, animation. Oh, Keylor Navas. Keylor Navas, les gars, 88 de général. Bon, 87 plutôt. Tu t'animes, hein. On tape le frérot, le meilleur gardien du monde, bien évidemment. Keylor Navas. Keylorito Navasito. Bon, c'est toujours une anime de prix. Bon, il doit rien coûter. Il doit rien coûter du tout, mais bon. Je sais même pas combien il coûte. On va vérifier combien il coûte, mais bon. Ah, quand même, c'est un petit 15 000 crédits qui va rentrer. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Les animations, franchement, ici, il est pas. Oh là là, double boost. Ah, Joe Gomez, par contre, Joe Gomez, Ligue des Champions, il coûte cher. Il coûte que dalle, ma bite. Par contre, pourquoi ça continue de tomber, les joueurs Ligue des Champions, les gars? Je comprends pas. Expliquez-moi. Là, tu sais quoi, on prend les invendables, Nick Saras. On veut packer du lourd, et on va packer du lourd maintenant dans ces packs-là. Je vais regretter de pas avoir pris les crédits, je le sens. C'est pour l'entertainment qu'on fait ça, tu vois. C'est, on ouvre les packs pour. C'est pour vous que je fais ça, les gars. C'est pour vous que je souffre en vidéo, en live.
Là, je sais pas si vous entendez du bruit, mais ma daronne a gardé mes petites cousines qui foutent la merde depuis hier. Français? Gardien? Ruffier? 84 de général, ouais, bon, c'est toujours ça de prix. Ça pourra partir dans un SBC, son crâne giga chauve là. Ouh, Van Vrij. Il faut crier le génie français. Ok, bon, on va faire ça alors, avant de paquer, on va crier le génie français. Oh, Juanito Bernatinho. Annoncé compte double. Alors les gars, c'est parti, c'est maintenant. Pour le génie français dans les packs. On croit en Stéphane Guy. On croit en Kylian. On croit au PSG. Ouais, c'est trop rapide. Encore une fois, c'est un drapeau, mais c'est pas Mbappé. Parce que c'est DC espagnol. Betis. Bartra. Ah, 83 de général. Et bah au final, on aura eu une seule putain d'animation. C'est Keylor Navas. Qu'on peut vendre hein, d'ailleurs. Puis encore un genre, les joueurs Ligue des Champions, ça y va. Hein. C'est un truc de malade. Franchement, je comprends pas pourquoi ils en donnent autant, mais bon. Je comptais prendre le beignet d'air informe. Donc on va rester un petit peu sur du building. Rabiot a pris un rouge en 26 minutes. Ouais, je sais, j'ai vu. Je comptais partir sur un délire comme ça. Donc prendre Raheem Sterling côté droit. Acheter beignet d'air boost. Et mettre Kingsley Coman. Du coup, après l'animation, ça serait plus un 4-5-1. Donc avec Son en 10. Beignet d'air en pointe. Ben Yedder en pointe, et donc Coman à gauche et Sterling à droite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être mieux que Malen déjà. Dans le sens où déjà Ben Yedder est un assassin. Apparemment Ben Yedder est un assassin. Martial, j'aime pas. Enfin, je sais pas. Martial, le problème, c'est l'agilité et tout. Moi, en fait, comment vous dire? Moi, je veux un mec sur le côté, je veux un mec qui percute, qui... Tu vois ce que je veux dire? Je veux un mec sur le teco qui apporte quelque chose. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que je veux un mec qui percute. Je veux pas forcément un mec qui va mettre les buts, etc. Parce qu'en gros, ça va être Son et Ben Yedder qui vont marquer peut-être 80% des buts dans l'équipe. Il faut savoir que le fut champion là que j'ai fait, où j'ai pas fini ce week-end, peut-être, allez, on va dire, sur 100 buts marqués, Son a dû en mettre 95. Donc c'est pour vous dire à quel point... Son est trop important dans l'équipe. Son est trop important dans l'équipe. Alors je vais le baisser d'un cran. Donc il va passer en tant que milieu offensif. Mais c'est vrai que le milieu offensif dans un 4-2-3-1, c'est quand même l'un des joueurs qui marque le plus aussi. Donc je me dis que, voilà, franchement, quand vous voyez les stats de Son, vous comprenez clairement qu'il y a un problème. Non, mais je les ai pas tous vendus, la moustache. Mais en fait, c'est que j'ai pas envie d'attendre, tu vois. 250K. Ouais, Ben Yedder, hier, j'aurais pu l'acheter. Je l'ai vu à 220 000. J'ai hésité. Je me suis dit, non, il va encore baisser. Mais au final, non, il a augmenté. Du coup, voilà l'équipe avec laquelle on va faire le FUT Champion demain. Donc demain, il y aura un live, vous inquiétez pas. Ah! J'ai l'impression ouais, que les joueurs, ils ont le jeu il est plus lourd, ça a perdu un petit peu en agilité tous les joueurs. Ça c'est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi jusqu'à présent. Ouf. Je suis niveau 29 du pas, je sais pas si je veux... Non, mais si, parce que là, vendredi, enfin demain, ils vont remettre des nouveaux trucs avec de l'expérience. Donc t'inquiète pas que demain, tu pourras faire ton XP. Toi, t'es tranquille, toi. Moi, je suis niveau 26, je crois, par contre, 26-27. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Moi, il me reste 20 000 et quelques à faire. Alors, logiquement, là, si je fais tous les défis que j'ai en cours, enfin, que je peux faire d'expérience, il me restera 14 000 et quelques. Mais même ça, tu vois, ça risque d'être tendu. Hein. Oh là là, mais Ben Yedder, c'est trop. Pour l'instant, je trouve que, en tout cas, au niveau de l'animation, c'est mieux qu'avant. Alors après, j'ai aussi modifié mes trucs, je suis plus en reculé, etc. Parce que apparemment, le fait d'être en reculé, maintenant, c'est plus handicapant qu'autre chose. Dans le sens où ton équipe, si tu te mets en reculé et que tu mets qu'une barre, genre le pressing de tes joueurs, il est beaucoup moins efficace. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le patch note. Hein. Tu vois, voilà, là, il y a 2-2 maintenant, vu qu'il a mis son long shot. Moi, je suis là, je mets que des petits un but. Allez, ça, je le trouve nul. Ouais, moi non plus, je suis pas fan. Pour cette raison, je pense que une fois Rio Ferdinand dans l'équipe, ça partira sur David De Gea. Alors par contre là, la défense, Walker, comment te dire? C'est nul à chier ce que tu viens de faire. Son Heung-min! Ich, ich, ich.
Hypé pour le sport, forcément. Moi, j'adore l'univers GOT. Après, je suis énormément déçu de la fin, évidemment, je pense, comme tout le monde. Mais oui, non, je suis totalement hypé. En plus, c'est pas les deux trous du cul qui ont niqué la fin de saison. Donc, enfin, qui ont niqué la fin de la série. J'espère que ça sera à la hauteur, quoi. Par contre, c'est que par contre, pour le coup, j'étais, je pense, plus hypé par le truc qui devait sortir précédemment, c'est-à-dire l'histoire des marcheurs blancs, tout ça, que ça. Mais bon, apparemment, ils ont pas validé le pilote. Alors peut-être qu'ils en feront un prochain, hein, une autre fois, mais en attendant, on va partir sur du Targaryen plus que du marcheur blanc, tout simplement. Du coup, pour ceux qui ont regardé cette rediffusion sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, même si on n'a absolument rien eu dans les récompenses Future Champion et Rival. Pouce bleu pour soutenir, commentaire pour partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Stéphane 24 ans HD, je vous dis à la prochaine et j'en prenez soin de vous. Ciao.